Ah, ma Gigi! Que je suis content de te voir. Assieds-toi donc ici. Il faut que je te parle. Ça y est, j'ai pris la décision de parler à papa et maman de ma relation avec Rachid. Je veux profiter de la réunion de famille de ce soir pour le présenter. Qu'en penses-tu? Tu as bien raison, mon petit Louis. Il ne faut pas procrastiner. Mais gare à la réaction de ton père. Tu sais comment il est? Je le sais bien. Mais je ne peux plus me cacher, ma Gigi. Il doit respecter mes choix. Il n'est pas un exemple entre nous, qu'on se le dise. Et puis, il y a maman. Je sais que je pourrais compter sur elle. De toute façon, ma décision est prise. J'ai mis assez de temps pour me lancer. Je suis prêt. À toute, ma Gigi. Allô? Nicolas, oui, pas la peine de me harceler. Je ne pouvais pas t'appeler avant. Mais ne t'inquiète pas, le plan se déroule à merveille. Je le dépouille. J'arrive. J'arrive, je te rappelle. Qui était-ce? Ma mère, tu sais. À toi, ma belle princesse. À nous deux. Qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, Mélanie, il sera absent, il est réunion avec les Emirates. Encore les Emirates? Oh, mais tu fâches pas. Je sais très bien quand c'est pas pour mieux se retrouver. Puis, n'oublie pas que demain, tu animes ton stand de saucisses à Auchan. Oh non, pas les saucissons. En plus, je déteste ça. C'est gras et la clientèle s'en contrefiche. Ah, ma graine de saucisses. Moi, je vais te dévorer. Hein. Écoute, comme je te l'ai dit, je suis sur une grosse affaire avec eux. On travaille sur notre nouveau produit tendance, le saucisson à l'ail. Ils ont raffolent. Excusez-moi, je vais aller me consoler. Chez Dior. Mais, on n'a pas été chez Gauthier hier. Dis tout de suite que je suis trop dépensière. Tu veux que je ressemble à ta bonne femme? Ah, Yamel te négalera. Si ta femme entendait ça. Mais toi, tu cherches à me faire plaisir, hein. Attends. Tiens, allons t'acheter une seule et fêter de musette. Oh, ouais. Ah bah celui-là, il manque pas d'air. Je vais dire ça.
respect, hein. C'est incommensurable. En plus, il ne voit même pas qu'elle en a pris son argent. Quelle buine! Pauvre dame Marie, si elle savait. Non, je dirai rien, dame Marie. Non, il n'est pas la peine de me regarder comme ça. Je ne dirai rien. Clémentine, je sais qu'il n'y a pas rien à te reposer. Ah oui, aussi, au fait, papa, j'ai vu une super belle robe en vitrine. J'ai voulu me l'acheter, mais je n'avais pas assez d'argent sur moi. Attends, je cherche ma carte. Carlos, tu ne crois tout de même pas que tu gâtes un peu trop notre fille? Et quand elle nous parle mal, tu trouves ça normal? Allez, papa, la première que j'aime. Bon, Marie, rends-moi ma carte bleue, il ne la trouve pas. Parce que je reste dans ta carte bleue, moi, maintenant? C'est toi qui dépenses toute l'argent. Je vous plaît. Écoutez-moi. Merci. Alors voilà, j'ai rencontré quelqu'un et je veux vous présenter cette personne. Sachez qu'elle compte beaucoup pour moi. C'est formidable. On a hâte. Bah, je reviens avec tout de suite. Depuis le temps qu'on... Il attendait qu'il nous présente une petite. Moi, j'ai même pensé qu'il était devenu pédé. Mais jamais je m'engage. Mais jamais ça n'a l'air. Tu crois vraiment qu'il arrive à être pédé? Si un jour ça arriverait, ce serait le. Tu as l'humour de ton père, c'est sûr. Je vous présente Rachid, mon copain. Enchanté, Rachid. Je le savais. Tu n'as jamais pu me comprendre. Et tu ne comprendras donc jamais. C'est quoi qui te gêne aujourd'hui? Que ton fils soit un sale pédé, une tapiole, une tarlouse. Ou bien qu'il sorte avec la maghrébin. À moins que ce soit ce que les gens vont penser. Mon Dieu, la famille de Rousseau est atteinte d'une grave maladie. Leur fils est gay. Mais sache, papa, que ce n'est pas une maladie. C'est juste de l'amour. Juste un putain d'amour fou. Mais ça, tu ne sais pas ce que c'est. Tu en as jamais eu. Et tu en as jamais donné. Et Rachid n'est pas qu'un arabe ou un bougnoul, comme tu sais si bien s'appeler. Mais c'est avant tout un homme comme toi et moi. Avec un grand cœur comparé à toi. Et oui, je suis gay. Et je suis ton fils aussi. Que tu le veuilles ou non, je ne changerai pas. Alors accepte-le, ou alors restons-en là. Et vous, retenez bien une chose. L'amour gagne toujours. Commence tout de parler de la
Je te laisse 2 heures pour faire tes bagages de merde et te casser de chez moi avant que cela ne finisse mal. Hé, Jarachi, on n'a plus rien à faire ici. Et ne remets plus jamais le pied ici. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu me dégoûtes. Et alors, ton fils sort avec une pédale. Ça te dérange pas, toi? Non, mais tu t'entends parler? Tu te rends compte qu'on parle de ton fils, là? Va t'excuser auprès de lui. Jamais il n'irait m'excuser. Moi, je pense même qu'on devrait l'emmener voir un psy, même si je doute qu'il puisse faire grand-chose. Mais vous me dégoûtez, tous les deux. Vous êtes ignobles. Il n'y a même pas de mots pour vous qualifier. Quand je pense que je me suis mariée avec toi, c'est comme mon père. Toujours être parfait. Et faire attention à ce qu'on dit, à ce que pensent les autres. Mais on s'en fout. Ton fils aime un homme, et alors? Et qui n'est pas pur porc. Et alors? Ça ne fait pas de lui une personne différente. C'est ton fils que tu veuilles ou non. Et Rachid est un être humain comme tout le monde, qui a le droit d'aimer et d'être aimé. Il était déjà dit que ce n'était plus mon fils. Puis, c'est ça que tu veux. Être la risette de toute la ville. De mon vivant, moi, jamais. Moi, je comprends que tu devrais déshériter, papa. Ça ne plaît mon fils. Allez, ça n'a rien de parler avec toi. Allez, Gisèle. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre et t'arrêter toute la ville? Trois fois, je me dis que tu aurais pu trouver que tu t'as abandonné. Et toi, Clémentine, t'as pas honte de tenir tel propos? T'as vu comment elle me parle, là? Viril, mon kin, je ne veux voir aucune larme glisser
sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kill. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et Dieu sait, ce sont tout de même les pires à venir. Tu casterais pour quelques vocales, tu seras viril, mon kid. Loin de toi ces finesses tactiques, toutes ces femmes d'origine qui féminisent vos guises, sous prétexte d'être le messie fidèle de ce cher modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et viendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Comme moi ce qu'il a dit. Je ne suis plus son fils. Mais il y a ta mère. Je suis sûr que tu peux lui faire confiance. Mais tu parles. Elle est adorable, mais elle ne pourra jamais rien faire contre mon père. Tu as vu comme il est violent. Cela fait des années qu'il la bat. Ma mère s'est même réfugiée dans l'alcool à cause de ça. Et puis, je n'ai pas envie qu'il la frappe à cause de moi. C'est vrai que ton père n'est pas facile, mais je suis sûr que tu vas finir par t'arranger. En tout cas, je suis là, moi. Je peux me faire confiance. Merci. Quitter cette maison. Gisèle, veux-tu bien m'accompagner? C'est un truc. Non, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas dit à Rachid tout ce que j'ai sur le cœur. Vous allez me laisser passer. Il n'y a rien à foutre. Allez, dégage. Arrêtez-vous deux. Oh. Oui, sors s'il te plaît. J'ai besoin d'expliquer parfois pour tout avec Sébastien. Merci. Sache que je ne reviendrai pas avec toi. Je suis heureux avec lui. Si tu m'aimes vraiment, alors laisse-moi. Sors de ma vie. Mais je ne veux pas vivre sans toi, Rachid. Tu le comprends, ça? Commence à rendre briser le cœur. Je sais que j'ai été con, mais s'il te plaît, laisse-moi une seconde chance. Comme dit Georges Sand, la rupture est faite. L'amour s'est envolé. Bon voyage. Ne me quitte pas. Tout peut s'oublier. Je n'ai besoin de personne, Mary Davidson. Mais pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Mais non. Je n'en peux pas. Les bateaux ou les oiseaux, tous les soleils. Les paroles, Cache!
vois ce que je veux dire. Ouh, oh, dégage. On s'appelle. Par papa, on respire ses fleurs bleues. Un regard qui vous attire ses fleurs bleues. Les petites filles qui la tirent ses fleurs bleues. Ses fleurs bleues, ses fleurs bleues. Un rendez-vous à l'automne, ses fleurs bleues. Une chanson qu'on prend d'âme de ses fleurs bleues. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, ses fleurs bleues. Commençons ce flash info avec la météo du jour, des températures records pour un mois de décembre. Mais continuons tout de suite avec l'actualité locale et des cambriolages qui se multiplient dans la région. La police est toujours à la recherche des personnes à la tête du trafic de chemises blanches de provenance de Colombie. On se retrouve tout à l'heure pour un autre flash info. Et maintenant, place à la musique. Marie. Je suis pas Madame Marie, je suis la bonne. Ah ouais? Dans ce cas-là, où est-elle? Qu'est-ce que vous venez de dire, monsieur? Qui est cette Mélanie? C'est ma femme. Et il s'avère qu'elle est ici avec votre mari, je ne sais où. Oh là là là, j'ai adoré ton string. C'est la sang. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en plein voyant crétin. Ah
C'est ça, tu te souviens plus de mon prénom, hein? Évidemment, je pourrais tout faire rater. Tu crois que j'ai pas compris ton petit manège? Et qui est ce crétin? Quand tu me parles, toi? Ce n'est personne. C'est son fiancé, monsieur Carlos. Toi, c'est ça, c'est ça. Vous êtes vraiment déformé. Ouais, c'est ça. Alors c'est vous qui vous pavanez avec mon mari derrière mon dos? Vous êtes fière de priser un homme marié? Et toi, espèce d'opportuniste délicieux, cela fait longtemps que tu es adultère? Ouais, le t'as vu comme t'es moche? Un peu plus de cette situation. Cette course à l'or en dépouillant votre mari. C'est elle qui m'a embarqué dans tout ça. Et moi, j'étais amoureux, vous comprenez. Ça n'a rien de personnel, croyez-moi. Elle anime un stand de saucisson dans une galerie marchande à votre mari. Et je n'ai pas de grandes ambitions, vous allez dire. Ne vous en faites pas. Je souffre depuis longtemps, moi aussi, de l'égoïsme et des mensonges de Carlos. D'ailleurs, je ne l'aime plus depuis un certain temps. En fait, non, même si je l'aimais un jour. Notre mariage n'a jamais été un mariage d'amour, mais de convenance. Mon mari voulait pour moi un mari fort, courageux, mais qui surtout a un gros portefeuille. Carlos n'a pas une enfance facile. Sa mère est morte à sa naissance et son père fut arrêté par la police de Franco. Il s'est construit tout seul. Cela explique sûrement son caractère. Je ne lui cherche pas d'excuses. Peut-être que c'est une... Enfin, tout cela pour dire que malgré nos deux histoires bien différentes, elles se ressemblent. Nous avons tous les deux été manipulés par des personnes qu'on pensait connaître et aimer. Vous avez totalement raison. Que oui, vous sont chouettes. Vous savez, j'adore collectionner des tagines dans ce genre. Ah ouais. J'aime particulièrement les chouettes. Elles sont si mignonnes. C'est marrant ça. Moi aussi, j'adore collectionner les magnettes. Suivez en criant « Je t'aime, je t'aime, attends-moi !» Écoute mon chéri, ton père est un salaud. Et je viens un moment aussi t'annoncer une nouvelle. Tu vas avoir une belle-mère, je vais quitter ton père. C'en est fini de toutes ces jérémias pullulantes de mensonges et de trahisons. Et l'alcool? C'est fini aussi. Allez, venez. Écoutez, je suis heureuse si mon fils est heureux avec ton garçon. Il n'y a pas de souci. Et puis, tu as l'air d'être un garçon gentil et généreux. Merci, madame Lourdes. Plus de mal à entre nous. Appelle-moi Marie. Gisèle? C'est vrai tout ce qu'a dit maman? Papa a vraiment fait tout ça? Ah, mais qu'est-ce que vous faites là-dessous? Bonjour! Mais qui est? Ben, je suis le... Mais qu'est-ce que tu fous là, Nicolas? Bah... Rachid! Mais qui est? Je suis le demi-frère de Rachid. C'est mon demi-frère. Ah oui, exactement. Et aussi l'amant de la maîtresse de ton père et bientôt mon amant. Oh,
Quoi? Nous venons d'apprendre qu'un couple d'une jeune femme et d'un homme plus âgé se sont fait arrêter sur la presqu'île. Ils avaient dans leur coffre de voiture, caché sous la roue de secours, un lot de chemises blanches provenant de Colombie. L'info vient de tomber. Il s'agit de Carlos de Rosso, dit Carlos Muñoz, immigré espagnol travaillant dans l'export, d'un père anciennement escroc arrêté par la police de Franco et jeté en prison en Espagne. Et Mélanie Lopez, vendeuse de saucissons à Auchan, de 30 ans sa cadette. Ils sont actuellement en garde à vue. C'était un flash info spécial sur le réseau du trafic des chemises blanches. Papa, maman, la photo. C'est enfin qui est ton père. Désolée, ma pauvre enfant. Madame Marie. Gisèle. Bon, et si on ouvre la bouteille de champagne, parce que l'an 2000 approche, elle vaut pas. Tu as bien raison. Tout cela m'a donné soif, honnêtement. Moi aussi. Maman. Merci. Attention, dans un instant, nous passerons dans une nouvelle ère, un nouveau millénaire. Vous êtes prêts pour l'an 2000? 5, 4, 3, 2, 1... Qui est-ce que tu parles de toi? Mais...
de ses amants. C'est vrai. Gisèle, vous êtes vraiment des fois honnêtes. Mélanie. Ce n'est pas